J'ai commencé à boire le vin avec mon père. Mon père, il était vraiment un grand collectionneur de vin. Et dans notre maison à Los Angeles, nous avons bu les belles bouteilles de vin de Californie et Bordeaux. Et je me souviens le grand moment dans ma vie quand j'ai bien compris que vin, c'est quelque chose fabuleux. C'était une bouteille de 66 Lafite. Et le 66 Lafite, c'était quelque chose de fabuleux, le cèdre, le fruit. Et j'ai bien compris à ce moment que dans la vie, il faut boire le grand vin. Je crois que dans ma vie, j'ai dégusté entre 100 000 et 150 000 vins. Je crois que pour être un grand dégustateur, il faut avoir une bonne concentration et mémoire. Donc, c'est vraiment une question de concentration. C'est la même chose avec les grands joueurs de tennis ou les choses comme ça. Avec bonne concentration, on peut jouer très bien. Donc, je crois que c'est la même chose avec le vin, avec déguster beaucoup de vin. Et aussi, normalement, pour moi, j'ai beaucoup de passion pour le vin. Donc, peut-être je peux déguster une série de 10 ou 20 vins et j'ai trouvé un vin que c'est fabuleux et tout de suite, la concentration, c'est là. Or, l'autre jour, j'ai été à Hong Kong et un ami, il m'a servi un vin sauterne et il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas dans le verre? Et j'ai, dans ma tête, boum, tout de suite, 48 ICAM, et c'était 48 ICAM. Mais normalement, je ne suis pas fort comme ça. Moi, j'aime bien déguster à l'aveugle parce que c'est bien évident que quand vous dégustez un vin et vous voyez l'étiquette, il y a une influence de l'étiquette. Et je crois que c'est important pour un dégustateur, spécialement un critique, de penser seulement qu'est-ce que doit être dans la bouteille. Je peux déguster le vin seulement pour la qualité qu'il y a dedans et sans influence. Donc, j'aime bien cette méthode de dégustation. Pour moi, un grand vin, c'est un vin qui donne dans sa corps et dans sa tête émotion. C'est plus que la qualité. C'est comme j'ai vu une jolie fille et j'ai une coupe de fou, on dit en français. Et pour grand vin, c'est comme ça. Tu goûtais tout de suite et tu sais que mais ça, c'est fabuleux, c'est dingue, c'est un bel vin, je dois boire. C'est émotion, c'est passion.